Les journées du patrimoine, c'est ce week-end, mais on va explorer les vieilles pierres et voyager dans le temps tout de suite avec la star de YouTube qui passionne la jeune génération pour l'histoire. On l'appelle le Stéphane Bern de YouTube. Voici Benjamin Briot. Bonsoir Benjamin, bienvenue sur le plateau de quotidien. Voici Emmanuel, voici Melville, voici enchanté, partie bonjour. De l'équipe. Bonjour, bienvenue, vous avez 30 ans, votre pseudo c'est Nota Bene, vous aimez le lancer de hache et le métal sur YouTube, vous dépoussiérez l'histoire avec un grand H, ça cartonne, et ça donne ça. Aujourd'hui on va parler de pape. Vous savez, ces mecs avec ces longues capes de Superman qui se baladent en papa mobile et qu'on laisse une vingtaine de jours au soleil une fois qu'ils ont passé l'arme à gauche. Quand on pense Moyen-Âge, on a toujours cette éternelle image d'une époque crasseuse, barbare et chaste. Bon, si vous êtes un ou une habitué de mon émission, vous savez qu'on raconte souvent de la merde sur cette période et qu'il y a tout un tas de clichés à défoncer. Le miroir du foutre, œuvre anonyme du XIVe siècle, est considéré comme le Kamasutra catalan. Les soldats nazis sont-ils tous pourris ? Mais avant ça, il y a quand même une autre question qu'il faut traiter. Est-ce que cette vidéo a un titre putaclic ? Oui. Oui. Alors, vous n'êtes pas historien. Non. Ça cartonne. Vous êtes qui ? Vous venez d'où ? Vous faites quoi ? Moi, à la base, j'étais technicien audiovisuel, en fait. Et en 2014, j'ai décidé de lancer Nota Bene. À Paris ? À Paris, puis ensuite un peu en province. Puis en 2014, voilà, j'ai décidé de lancer l'émission. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle vague de youtubeurs qui arrivaient, qui faisaient de la bio, de la physique, du cinoche. Et pourquoi pas de l'histoire ? Pourquoi pas de l'histoire, ouais, c'est ça. Et vous étiez un passionné d'histoire ? J'avais commencé une fac d'histoire que j'ai en fait arrêtée pour rentrer dans l'audiovisuel. Et d'ailleurs, petite anecdote, mon tout premier tournage en tant que technicien, eh ben, c'était avec Melville. Oh. Sur un, voilà. C'est au Moyen-Âge. Et vous faisiez quoi du coup ? Eh ben, je tenais un pied caméra, voilà. J'ai dû lui dire bonjour au loin comme ça. Il était sympa. Il était sympa. Stéphane Bern de YouTube, ça vous va ? Non. D'accord. Ok, je le note. Vous vous servez de la pop culture comme tremplin vers l'histoire. Comment oui. Vous faites ? Bah, je pense qu'en fait, pour accrocher les gens, souvent, on a une manière de présenter qui n'est peut-être pas la bonne. Et aller tirer des parallèles avec la pop culture, avec des choses qu'ils connaissent déjà, ça permet vraiment d'intéresser le public. Aller parler des parallèles entre Star Wars et l'histoire, entre Pokémon et l'histoire, entre Harry Potter et l'histoire. Il y a toujours moyen de tirer des parallèles. Il faut se servir de ça parce que les gens, finalement, sont proches de cette pop culture. Et donc, ils recollent assez vite, finalement, avec l'histoire. Qui regarde, vous le savez, les tranches d'âge ? Ouais, grosso modo, c'est 18-35 ans, c'est vraiment la grosse tranche d'âge. J'ai pas beaucoup d'adolescents, vraiment, c'est 3% peut-être de la cible. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais bon, ils vont vieillir. Ah, oui, c'est sûr, mais ils vont moins passer le bac, du coup. Si, si. Les profs d'histoire et les historiens, ce que vous en avez rencontré, ils vous ont dit quoi ? Vous en avez croisé ? Il y en a qui vous regardent ? Oui, bah, d'ailleurs, enfin, j'ai plutôt des bonnes relations avec les historiens et les universitaires. D'ailleurs, je serai bientôt au rendez-vous de Blois, qui est un peu le Cannes des historiens. Ce qui est important pour moi, c'est justement de les faire bosser. Le festival de Cannes des historiens ? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il y a des conférences, c'est vraiment chouette. C'est à Blois. Voilà, c'est pas très loin de Tours, entre Tours et Orléans. Mais je travaille avec les historiens et ça c'est aussi une partie hyper importante de mon boulot, c'est-à-dire que j'ai pas envie seulement de proposer une émission comme ça un peu divertissante, ouais. J'ai aussi envie d'impliquer les historiens parce qu'il faut que les historiens puissent retrouver leur place un petit peu sur la place médiatique, souvent ils sont un petit peu oubliés ou ils ont un peu peur d'aller sur les plateaux télé parce qu'ils ont peur d'être jugés aussi par les pairs, forcément quand on fait des raccourcis comme moi j'en fais, ça peut parfois faire hurler, mais grosso modo, j'ai l'impression que les historiens ont bien saisi l'intérêt de la vulgarisation. Et c'est vraiment d'intéresser le public, quoi, de les ramener. Et c'est quoi vos sources ? Oui, il n'y a pas de haters historiens. Non. Qui vous harcèlent. Bah... Ah, il y en a ? Ah bah oui, l'extrême droite, je veux dire, il y a toujours des gars pour nier. Alors, les chambres à gaz. Donc... Ouais, ouais, justement, on vous reproche d'être de gauche. Mais l'histoire, elle est de gauche ou de droite ? Alors, dans une posture idéale et un peu naïve, l'histoire, il faudrait qu'elle soit objective. Maintenant, l'objectivité, c'est un leurre en histoire. C'est-à-dire que dans tous les cas, ne serait-ce qu'une ligne éditoriale implique qu'il y a une politisation. C'est-à-dire que moi, par rapport à Stéphane Bern, par exemple, je préfère traiter d'un peu de l'histoire économique, industrielle, l'histoire du peuple. Je ne vais pas forcément me concentrer sur que des grands personnages, des foufous, des paillettes. Donc en soi, déjà ça peut orienter un petit peu l'émission. C'est peut-être en ça qu'on peut dire que je suis plus de gauche, j'en sais rien. Mais le ton d'une émission et le choix des sujets, c'est déjà un choix politique en fait. La date de l'histoire de France la plus importante pour vous, c'est quoi ?
C'est toujours une question qui est un peu compliquée. Je vous poserai la question aussi. On peut dire 36. Oh non. Non, mais 36, c'est pas mal. Le Front populaire, la lutte des ouvriers aussi pour leurs droits, les congés payés, c'est quand même des acquis qu'on a eus. Et ça montre que quand on se bouge un petit peu tous ensemble, on peut faire bouger les choses dans le bon sens. Donc 1936, le lieu historique qui vous fait fantasmer, c'est quoi ? Pareil, j'en ai pas tellement. Je suis quelqu'un d'assez curieux. Finalement, je prends mon pied un petit peu partout. Mais la muraille de Chine, ça pourrait être quelque chose à faire. Encore faut-il y aller en Chine. C'est un peu loin. Mais c'est vrai que j'ai souvent des bonnes surprises sur des lieux que je ne connais pas et que je découvre en tournage. Pas très longtemps, j'étais dans la cité souterraine de Naour, dans la Somme. Et c'est vraiment hyper impressionnant. Une cité dans laquelle les soldats de la Première Guerre mondiale venaient se reposer. Vraiment une immense carrière souterraine. C'est dans la Somme. C'est dans la Somme. Vachement bien. Emmanuel et Melville, donc, c'est quoi le personnage historique que vous rêveriez d'interpréter ? Ah, d'interpréter ? Oui, par exemple. Une reine, un roi. Marie-Antoinette. Non, Antoinette, d'accord. Jacques Chirac. C'est une très bonne idée. Il est sorti comme ça. Sérieux ? Je sais pas, il est très élégant, enfin, il a été très élégant, et puis il a fait marrer tout le monde. Une espèce de Forrest Gump, un peu avec Jacques Chirac. C'est un job à plein temps ? Oui, c'est un job à plein temps depuis 4 ans maintenant. Ouais. C'est quoi le business model ? Les vidéos sont vues à peu près combien de fois en moyenne ? Et combien, est-ce que je peux vous demander combien rapporte une vidéo ? C'est très variable en fonction des périodes, en fonction de plein de choses. Moi, j'ai un modèle vraiment à l'américaine. Et YouTube vous paye ? Via des pubs. Mais via vraiment, des pubs c'est ce qui rapporte le moins. Moi, je ne me repose pas trop là-dessus. J'ai du crowdfunding où les gens peuvent me soutenir tous les mois via un site qui s'appelle Tipeee. Ouais. Et puis à côté de ça, les commandes. C'est-à-dire que je travaille pour le musée du Louvre, pour le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, pour des départements, Somme, Aisne, le Vaucluse, etc., où je fais des reportages et je mets en valeur un petit peu le patrimoine à travers le prisme de l'histoire. D'accord, merci d'être venu nous en parler, vous restez avec nous. Un peu de playlist, Melville. Ouais. Emmanuel, playlist ? Carrément. Ok, juste avant, on va accueillir Jeanne Haddad, qui va nous rejoindre, elle est par là. Oui, elle est là. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, Jeanne. Ils ont adoré le live. Je ne vous ai pas vu parce que vous n'étiez pas avec nous. Je ne sais pas si vous avez adoré, mais voilà. En tout cas, ils étaient en face de moi. Ils ont vraiment adoré le live. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Rebonsoir. L'album, il est là et il sort demain. Et tout le monde le salue. Vous êtes vraiment... Ça va ? Oui, ça va. Tout va bien en ce moment. Tout va bien. Merci. Quel accueil, en tout cas. Vous êtes de Reims. Vous êtes passé par le jazz, par le rock électro. Vous avez une formation de violoncelliste et de chant lyrique. Conservatoire de Paris et Royal Academy of Music of London. Et maintenant, popstar. Alors oui, on peut tout mesurer, hein, tout ça. J'étais plutôt mauvais élève et au dernier rang. Et là, popstar, tout est relatif. Ça rend bien, mais en fait, vous n'étiez pas bonne. Oui, c'est tout pour le CV. D'accord. Voilà. En tout cas, ça fonctionne. Ça marche bien. On parle beaucoup de votre look, de votre androgynie. C'est un truc que vous travaillez ? Non. On fait votre playlist à tous les quatre ? Ça marche. Ok, allons-y. La playlist. On va commencer par la plus belle chanson de l'histoire pour vous. La plus belle chanson de l'histoire. Et on va commencer par vous, Emmanuel. Pour vous, c'est la plus belle chanson de toute l'histoire. Les Rolling Stones. Ouais. Enfin, il y en a plein d'autres. Mais c'est difficile bon d'en choisir une, mais je l'aime beaucoup. En tout cas. C'est un très bon choix. Jeanne, pour vous, la plus belle chanson de toute l'histoire, c'est ça. La plus belle chanson de toute l'histoire pour Melville, c'est ça. J'avais dit ça ou n'importe laquelle de Bob Dylan. En tout cas, Bob Dylan. Et la plus belle chanson de toute l'histoire pour vous, c'est ça. Ah oui. La chanson pour danser, pour vous Emmanuel, c'est ça. Ah oui. La chanson pour danser, pour Jeanne, c'est ça. Underworld. La chanson pour danser, pour Melville, c'est ça. Qui a disparu hier, Rachita. Et la chanson pour danser pour vous, Benjamin, c'est ça.
ça se danse bien, ça. Hein. C'est un petit. Ça, c'est très, très bien. Ça se danse bien. Il y a un petit rythme un peu. Une chanson pour une nuit d'amour, Emmanuel. J'ai peur de. Lou Reed. Perfected. J'ai peur de la chanson d'amour pour Benjamin, mais enfin bon, on verra tout à l'heure. Si c'est de l'amour, je vois le titre là. La chanson d'amour pour vous, Jeanne, c'est ça. Maestro. Qui a réalisé mon disque. Voilà. D'accord. La nuit d'amour pour Melville, c'est ça. C'est ça que vous avez choisi. Ah oui, oui. Et la chanson pour une nuit d'amour, le titre c'est Ultra Vomit. Benjamin. Ultra Vomit, c'est le groupe. C'est le groupe. C'est ça, parce que le titre c'est Heavier Metal. Non, Heavier. Ah pardon. Ouais. Eh oui, Heavier Metal. Il est là l'année prochaine. Vous réconciliez des espoirs. Voilà. Très bien. Et enfin la chanson géniale mais honteuse à la fois, Emmanuel. Elle danse, Marie, elle danse. Elle adore ton silence. La chanson géniale mais honteuse à la fois pour vous, Jeanne. C'est pas du tout honteux. Hein. J'ai du mal à trouver. C'est ça. Hyper dur. Comme oh, bah, elle a trouvé, Emmanuel, ouais. Quand même. Ouais. Bah, en fait, moi j'ai galéré. D'accord, bah, c'est ça. J'en connais plein. Je l'aime d'amour. Donc, c'est Whitney pas Houston. Du tout honteux du tout. Allez, hein. Mais vous l'avez choisi quand même dans la sélection. Bah, il fallait. Enfin, non, je m'en veux terriblement maintenant. Melville a trouvé aussi. C'est ça. J'ai eu du mal. Et enfin, Benjamin, la chanceuse, la chanson géniale mais honteuse à la fois. C'est un peu. Je m'étais fixé de rester dans ce créneau-là. Bien Chaîne YouTube, c'est Nota Bene. Voilà, merci à tous les quatre.